Salut à tous les amis, aujourd'hui nouvel épisode sur la ferme française. Et je peux vous dire qu'il y a eu du changement. Déjà au niveau des champs, j'ai fini de labourer tous les champs. Voilà, ils sont tous labourés. Par contre, ouais, faut qu'on remette un petit coup de jour. Bon, on va attendre pour l'instant. Bon, ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a aussi, alors attendez. Juste mettre en. Hop. Là. On a mis un deuxième enclos à moutons. Et je me suis pas embêté. J'ai pas racheté de moutons. J'ai tout simplement repris des moutons de l'autre enclos. J'ai repris des moutons de celui-là pour remettre dans celui-là. Je crois. Moi, je fais un truc comme ça, quoi. Donc là, on est bon. Du coup, on va avoir une double production de laine pour nos vêtements. Le petit nouveau. Un petit Renault. Que j'aime plutôt bien, puisque dès que tu les lis assez rapide, dès que tu montes dessus, regarde, tu démarres, hop, il est très réactif. Ça, j'aime bien. Parce que les canons de base, ils sont pas très réactifs quand même. C'est un peu galère. Les cochons, on n'a plus de cochons. J'ai tout vendu. Au niveau alimentation, c'était un peu galère. Ils auraient dû laisser comme le 19. Faut mettre tout plein, donc après ça gère tout seul. Du coup, ouais, j'ai vendu tous les cochons pour ça. Là, bon, on a encore pas mal de laine, on est ok. Tout ça, ah ouais, si, faut absolument qu'on aille prendre tout ça là aujourd'hui. Les vaches, on a eu des nouvelles vaches aussi. Les vaches, vous voyez, maintenant on a 80 vaches, ce qui est quand même pas mal. Autre chose aussi, ouais, on n'a plus d'ensilage en bottes. J'ai tout mis aux vaches. Nos chevaux, ils sont toujours là. Propreté 0%, ouais, mais un petit bug, ça, j'arrive pas à nettoyer. C'est pas gênant. Pas gênant normalement. Parce que j'ai mis un mode qui est d'entretien. Normalement, ils sont censés se nettoyer, mais je ne sais pas. Ça, puis bah, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a du nouveau matos? Non. Non, non, on n'a pas de nouveau matos. On a fait le tour. On a fait le tour, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un tracteur. Et on va commencer à aller prendre un peu de fumier, de chaud. Pas de fumier, mais aussi du fumier et du lisier. Un peu dans nos champs, histoire de vider un peu toutes les bennes là, ça va faire du bien. On va commencer par le lisier, on va pas s'embêter. Ah, j'aurais dû prendre l'autre, j'avais une masse, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Faut absolument aussi, et j'aurais peut-être dû faire ça avant au final. Parce que là en fait on a plus des trucs champs en herbe. Il va falloir qu'on aille replanter un champ d'herbe, voire même deux, comme ça on pourra faire un champ d'herbe et un autre de foin. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc là on va s'occuper de celui-là et je vais oublier. On va déjà y prendre tout ça. Bon, après on va pas en avoir plus d'avance, on va pas en avoir assez touchant, c'est où et si peu qu'il y aura, moi ça va me débarrasser un peu. Ah si, au fait je dois terraformer un peu le terrain là. J'ai rajouté un mode en plus qui permet de terraformer gratuitement, et ça c'est beaucoup mieux puisque ça coûte une blinde. Non, c'est pas ça que je voulais faire.
coûte une blinde. Ok. Donc ici, c'est une petite bosse, c'est assez chiant. Puisque avec les outils, on a du mal à passer. Niveau adoucir. C'est comment déjà pour adoucir? On va juste agrandir un peu tout ça. Comme ça, voilà. Vous voyez, ça nous fait 0 euros. Alors est-ce que c'est mieux? Alors toi tu galères un petit peu par contre la terre. Est-ce que c'est mieux? Oui c'est mieux, nettement mieux. On pourrait peut-être encore essayer de le rabaisser un peu. On y arrive. Alors peut-être prendre plus grand à l'arrière. Vraiment essayer de le rabaisser au maximum. On a encore une légère bosse, mais c'est mieux comparé à la bosse qu'on avait. Bon, on va commencer de là, on va pas s'embêter. Ok, alors par contre, ouais. Ok. Donc ça part très 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 vite quand même. Donc on n'a vraiment pas assez pour faire tout le champ. On va essayer d'en faire un maximum, évidemment. Mais... ça fait gadou. Et ça fait un peu bizarre quand même. Il y avait de la gadou. Alors ce qui pourrait être intéressant, je pense, ça serait de... je sais pas si ça existe. Faudrait que je regarde. Mais il me semble que si. De mettre une cuve, enfin, pas une cuve, mais un point de stock de lisier. Là, on fait le plein dedans, et dès qu'on en a pas mal, hop, on en prend pour faire nos champs. Ça, ça nous permet de fertiliser tout le champ à chaque fois, quoi. Ça pourrait être intéressant. Là, il va vraiment nous en manquer beaucoup, quoi. Mais bon, après, le si peu qu'on va mettre, normalement, ça va... ça va le faire. Oh, ça a pas marché, là. Oh, c'est bizarre. Hein? Ça marche pas à l'endroit où il y avait le chemin. Alors j'espère que ça va pas faire n'importe quoi et que quand je vais planter, ça va planter. Sinon j'ai pas l'air fin. Par logique, j'ai aussi à la bourrée, parfait, la bourrée c'est normal. Mais... après peut-être avec ce qu'on a encore en lisier en stock, on va peut-être arriver à faire tout le champ complet. Ouais, alors il y a des moments, je sais pas pourquoi. Et si je... ouais. Ah si d'accord, je peux. Ah je peux, mais ça marche pas. Non, en fait je suis obligé de le baisser. Ouais. Je suis obligé de le baisser pour épandre le lisier. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce qu'il y a des moments, en fait c'est trop haut ou trop bas, je sais pas. Ça ne marche pas. Ça fait vraiment gadou cette affaire. Et bon, ouais, c'est comme ça. Donc là, le champ qui est en face, je crois qu'il n'est pas planté. Il me semble que non. Et... ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre peut-être le 35 et le 47 en
en herbe, je pense que ça pourrait être intéressant. Et si j'ai autre chose à regarder, c'est-à-dire en fait on a plein de choses à faire. C'est que maintenant qu'on est on a à peu près bien niveau animaux, on va commencer à se lancer. On a déjà commencé sur tout ce qui est usine. Donc là déjà on produit des vêtements, du fromage, on produit du tissu. Du tissu qui est après retransformé en fromage, en vêtements, et j'y arrive. On a le fromage. Maintenant, faut qu'on voie pour faire la farine et tout, pour avoir pour faire des gâteaux. Et alors, attendez, est-ce que si on met construction, on va plus être dans silo, je pense. Ouais. Réservoir de fumée liquide. Donc oui, 500 ml, donc ça faudrait qu'on mette. Le problème c'est. Alors attends. Ah ouais, vous voyez, on peut vider. On va pouvoir faire ça. Ah oui, si, je vous ai pas montré. Aussi. Ah si, je vous ai pas montré ça. Regardez. J'ai investi dans une éolienne. Ça rapporte quand même pas mal. Forcément, j'ai dû faire un crédit. On va faire donc là, je peux dire que niveau crédit, on prend très très cher. Mais justement, je l'ai faite pour rembourser le crédit. Donc normalement, on devrait pas avoir ce problème. Ça nous rapporte 67 000 euros par mois, ce qui est quand même énorme. Bon, après, on a un crédit de beaucoup. Il y a 1 million, ouais, 1 825 000 de crédit. Je peux vous dire que ça fait mal. Mais normalement, comme niveau petit, on a à peu près tout. On devrait pouvoir ne plus toucher au crédit et le rembourser. Bon, bon j'ai pris l'éolienne pour le rembourser. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes par rapport à ça. Donc, il va bientôt faire nuit, ça va être un peu galère. J'ai enlevé aussi un mode, les modes que j'avais présenté le dernier coup sur les éclairages automatiques des feux. Alors j'ai désactivé pour la seule raison que sur la nouvelle série que je fais, la ferme des 1000 vaches, quand j'utilisais le Manitou, il me fallait de la lumière, parce que je voyais pas grand-chose. Et comme j'étais en éclairage automatique, je les allumais, mais ils s'éteignaient aussitôt. C'était assez chiant. Du coup, je me suis pas embêté. J'ai désactivé le mode sur les deux parties. Et c'est bien plus simple comme ça. Bien plus simple. Là, on va vraiment se lancer dans le. Oh, j'en ai loupé. Comment se lancer dans l'usine maintenant que niveau animaux on n'est pas trop mal. On peut se permettre de travailler là-dedans. Mais ça va changer un peu parce que maintenant niveau animaux, si on a du blé à faire, foin, herbe, mais c'est des petites bricoles quoi. Donc c'est assez rapide dans l'ensemble. Et le problème c'est qu'une fois qu'on a que tout est fait, bon, on n'aura plus grand chose à faire. Donc c'est pour ça que on va lancer un peu d'usine, histoire de compléter un peu la série. Et ça va permettre de changer aussi, puisque on a commencé, mais c'est la première fois que je fais les usines, quoi. Là on a lancé les vêtements, le tissu, le fromage. Donc on peut encore se développer, sachant que sur cette map là, on a déjà pas mal d'usines qui sont déjà à nous. Déjà on gagne vraiment pas mal d'argent par rapport à ça. On n'a pas à les acheter. C'est plutôt bien. Faut aussi que je mette
C'est un point de vente pour les œufs. Alors, je sais pas si j'en ai un de base. Et je vais en mettre un au niveau de la fin. Puisque, si ça se trouve, niveau prix, on peut être mieux peut-être que par moment. Les prix de base, en plus, c'est à côté, quoi. Mais après, on va voir. On va peut-être en mettre un, puis on verra. Puis après, si on fait des gâteaux, on en vendra peut-être toujours un petit peu des œufs, hein. C'est bon, mais. Et voilà. C'est ça que je regardais. Est-ce qu'on a un point de vente pour les deux? Production, point de vente. Là, on a le marché. Ouais, d'accord. Pré-marché. Ok. En fait, c'est tous les points de vente. Vous voyez, comme là, restaurant, ils prennent des œufs. Supermarché, pareil. On a trois points de vente pour les œufs, quatre, fast-food. Alors après, lequel sera le meilleur, je ne sais pas. Là, on a une autre station de vente. En fait, là, ce serait peut-être plus intéressant niveau prix. Niveau prix, ça serait peut-être plus intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vendre d'autre ici? Toutes les cultures, ok. Les meubles, ouais. Alors, en fait, on peut vraiment tout vendre avec celle-là, quoi. Les raisins aussi, ouais. Celle-là, elle est intéressante parce qu'on peut tout vendre. Et je pense qu'on placera celle-là. Ça coûte que dalle, donc on va faire ça. On le placera sur l'autre ferme. Ah oui, ici, j'avais une autre chose à vous montrer. Parce que où j'ai mis l'enclos à moutons, on va dire que j'ai eu quelques petits problèmes. Puisqu'il y avait un silo. Un silage plus un autre gros silo. Le seul problème, c'est qu'il y avait des lampadaires. Et les lampadaires, je ne pouvais pas les enlever. Donc, j'ai pas eu le choix de mettre ça de ce sens-là, l'enclos, pour essayer que les lampadaires me gênent pas. Donc, la plupart, ils sont dans l'enclos. Il y en a juste un qui est là-bas tout seul, mais n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dormir un petit peu. Ça pourrait être pas mal. Hop, on va se lever à 8h. Ouais, on a encore pas mal de choses à faire. Mais maintenant, on a plutôt de problèmes. Regardez, niveau argent, maintenant on est bien. Niveau revenu de ce qu'on produit, revenu de la propriété. Attendez, c'est quoi ça? Revenu de la propriété. Ah, revenu de la propriété, ça serait pas le. C'est pas l'éolienne quand même. Voici. Ben, c'est censé vendre. Je comprends pas. Je sais pas. Normalement, c'est 67 000 euros. Ouais, je sais pas. Vous voyez, on a quand même 26 000 euros maintenant de produits vendus. Alors qu'on a les vêtements, ben ça c'est normal qu'on soit en rouge. Voilà. La laine, on a pas mal de laine. Et là, j'ai mis aussi fromage et beurre, j'ai mis les deux. Donc ça fait les deux au fur et à mesure, c'est pas mal. Donc nous, on va continuer. Alors avant de continuer. Ouais, alors attendez. Là, on va enlever un petit peu tout ça. Est-ce qu'on est plein? Hein, je me suis trompé de touche. Ouais, c'est que le camion là il commence à être pas mal rempli. Il va falloir qu'on se décide à vendre aussi un de ces quatre. Et après ça va commencer à être compliqué pour charger dessus quoi. Ça va être compliqué. C'est nickel sens comme ça, ok. Hop, on va mettre plusieurs là. Plus simple comme ça. Oups. Tac.
Ouais, on va déjà charger ça, ce qu'on a. On se refait un petit système de marche. Hop. Ça nous permet de charger sur le dernier étage. C'est plutôt pratique. Et bien comme ça, hop là. Ah non, faut qu'on remette un étage en bas. Ce qu'on va faire, c'est que on remet un étage en bas. Tac. Hop. On marque si j'arrive à faire ça comme ça. Si je vais arriver, ça va tomber. Bon, non, ça va. Ce n'est pas à faire, mais... Ce n'est pas à faire. Tiens, on peut les mettre les uns sur les autres ici. Là. Pas gênant, non, ensemble. On va faire n'importe quoi, bien sûr. Hop. Ça, c'est pas plein. Oups, j'ai tapé dedans. J'espère que c'est pas tombé. Bon, c'est pas tombé, mais... On va essayer de remettre ça droit. Tac. Voilà que je taille, hein. Berthe. Voilà. Là, on est au pied. Un autre ici. Voilà. Tac. Un peu mal mis. Mais c'est pas grave. Bon, on se refait du coin de deuxième étage pour que ce soit plus pratique au niveau de nos marches. Hop, voilà. Ah, voilà, tac. Bon, les moutons, ça va. Bon, après, normalement, l'enclos, le nouveau enclos à moutons, normalement, ça devrait être pas trop gêné pour nos silos qui font là. Ça c'est plutôt bien, c'est quand même beaucoup plus pratique de faire comme ça quoi, de faire deux un palier au de ranger au même étage si tu veux bien. Ok, je te remercie. Alors pourquoi tu veux pas, voilà. Oh là là, j'ai tout cassé. Oh, voilà, il peut te faire. Ouais, là, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Voilà, remettre là. Pas gênant. Oh, ouais, j'ai eu un coup de lag là. C'était violent. C'était violent. Tac. Toi qui vient, deux dernières palettes à mettre là-dessus et on est bon. Donc on va mettre par-dessus, c'est pas grave. Allez, toi tu viens, on va te mettre là-haut. Hop. Alors j'ai peut-être un petit peu merdé. Non, en fait c'est... Alors comment ça, j'ai eu un petit problème. Je ne sais pas. Bon, c'est... Ce n'est pas grave.
je m'amuse. Je peux travers. Par contre, on a eu des vents dessus. Pour les vents, donc je regarde si on a besoin de faire de la production. Je sais que pour les céréales, il en faut, mais le seul problème, c'est qu'il nous faut du raisin. On a notre terrain à raisin, hein. C'est pas ça le problème. Il faut que j'aille les récolter. Et je vous avoue que pour l'instant, c'est pas mon truc favori. Puisque, en fait, c'est niveau baigne, c'est un peu galère. La baigne n'est pas assez rose, donc j'essaie de mettre l'usine de raisin sec. Ah ouais, la rigueur, ça peut être pas mal. Je mets l'usine de raisin sec au niveau du terrain. Et comme ça, je mets directement dans les... dans l'usine direct. Voilà, on refait encore un étage. Et je le bide directement, comme ça, ça sera à côté à ce... Le problème, c'est que les raisins, la benne est très, très courte. Et c'est un peu galère, parce que en deux secondes, elle est remplie. Allez, donne-moi la toi, tu restes là. Ah, quoique, il n'y a peut-être pas besoin encore. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Niveau lisier, on est comment là? On a encore 93 tonnes. Ok. Il n'est pas plein, on va le remplir. Les CR, pour l'instant, on ne s'en occupe plus. Et je pense que pour le moment, on n'a peut-être plus réellement besoin. On verra, au pire, on va les garder. Hein. Un jour on a besoin, bon, on va juste à remettre de l'eau dedans, quoi. Puis voilà. Ouais, par contre, ce qu'il faudrait, c'est que je regarde, moi, les prix des betteraves et tout. Puisqu'on pourrait peut-être les vendre comme ça. Ou alors on garde les betteraves. Si un jour on veut refaire des cochons et qu'ils changent le système, ça peut peut-être être bien quand même. Mais on pourrait peut-être vendre le complément alimentaire des cochons. Ça peut être pas mal ça. Bon, là, au moins, tout le champ, tout celui-là sera fait. Ce qui est plutôt pas mal. On va dire. On aura assez de lisier pour ça. Alors après, est-ce que j'en aurai assez pour les autres? Ça, ce n'est pas sûr. C'est des grands champs quand même qu'on a maintenant. C'est vrai que même sur le 19, je n'ai jamais épandu de fumier, si j'en ai déjà épandu, mais du lisier, jamais. Là, je fais parce que c'est à 100% à chaque fois au niveau des vaches. C'est pour ça que je le fais. Mais ouais, sinon, sur le 19, c'est la première fois même que j'éprends du lisier, tout simplement.
Même sur le 17, je n'en avais jamais fait. Mais ça change, c'est pas désagréable à faire. C'est pas mal quand même. Et c'est assez rapide, hein. Donc ça va. Ah oui, c'est bon. Je crois que c'était pas activé. Alors je pense que le reste de l'ISI, on va pas l'utiliser pour l'instant. On va le stocker, je pense. Ça va être pas mal. Le stocker, revendre cette cuve là et on achètera une cuve. Ah, je sais ce qu'on va acheter. Ah ouais, je sais ce qu'on va acheter. Je l'ai encore pas essayé, mais ouais, ça va changer un peu le matériel. Bon, j'espère juste que je vais en avoir assez, hein. Je vais pas m'amuser à faire le vampire si peu. Ça va un petit peu m'embêter quand même. Bon, c'est pas grave. Là, on est bon. Silo. Hop. Alors là, il nous faut ça et ça coûte combien ça? 65 000 euros. Ok. Au niveau des cochons, on marque maintenant. Mais si un jour on veut remettre des cochons. C'est assez emmerdant. Et au pire, on peut mettre ça là, comme ça. Hop. Ouais, on va mettre ça au niveau des cochons. Par contre, si on le met comme ça, j'ai peur que ça gêne le champ. S'il n'y a pas de terraforming, ça va aller. On a un petit peu, mais je crois que c'est passé quand même. Et je crois que ça passe quand même. Elle est arrêtée ou quoi? Ah non, je crois qu'elle était arrêtée. Je la voyais pas tourner. Ah, déjà, d'ici qu'on ait 500 millilitres de lié, je pense que ça va aller vite. Ah oui, il faut absolument. Oui. J'ai enlevé le mode de la pailleuse. On avait en mode. Et au final, peu de temps après, Farming avait ressorti la même de base. Quand on la rajette, peut-être qu'animaux. Animaux, hein, je sais pas, je me prends truc moi. Animaux. Animaux, ouais. On rajette celle-là. Ah, j'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Bon, on va attendre. On va attendre, on va gagner de l'argent avec le. Avec l'éolienne. Ce qui est bien, c'est que l'éolienne va apporter un peu d'argent chaque jour, pas enfin, chaque heure. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça vient pas tout vient pas sur 7000 euros dès la journée finie, dès le mois fini quand bah la journée comme je suis en. Alors toi on va te remplir. Hop. Alors, est-ce que ça monte? Non, ça ne monte pas. D'accord. Est-ce que du coup ça met on en a en stock ou pas? Les IA. Ah oui quand même. Ah j'ai 200 000 de IA quand même. Comment ça perd beaucoup là? Allez décoince. Voilà. Ah je savais pas qu'on en avait autant. Bon c'est pas grave, on achètera plus vite notre matériel. On achètera ça plus vite. Après les cochons pour l'instant on peut laisser des 4 dedans. Il ne va pas gêner. Ça c'est sûr. On va juste vider celui-là. Donc là on est bon. Par là-bas, pépère. Merci.
Ah, faudrait que je regarde, tiens, si les animaux sont propres, les chevaux. Normalement, avec le mode, c'est censé nettoyer. Et faire la promenade, sauf que la promenade, ça la fait pas. Je viens de la faire moi-même. Donc là, comment ils sont les... Bah, si forfaité, c'est bon. Mais c'est bizarre, ce forfaité, ça descend quand même. Par contre, la promenade, c'est censé faire la promenade. C'est de base, c'était pour la promenade, mais ça le fait pas. Donc, on va plus. Attends, il reste combien là aux vaches? On va peut-être pas choisir de faire ça tout le temps. Oh là, c'est bon. Je vais vous montrer ce qu'on va acheter dans le futur. Comment on fait déjà pour voir ce qu'on a en mode? Pas un truc spécial pour voir les. Attendez, je cherche. Oh non, je croyais. Je croyais qu'on avait un truc spécial, mais c'est pas grave. Non. Ça fait lisier, ça. Ouais. Et ça. Ah, c'est tout, 24 000. On met que dalle dedans. Abusé. Je pensais qu'on allait mettre bien plus, moi. Bon, le. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Kameko. C'est quoi ça? Ah, il disparaît. Ouais, je sais pas à quoi ça sert. Et pas du tout. Voilà. Ça, j'ai l'impression que ça va à l'arrière. Donc ça doit se mettre peut-être à l'arrière du classe. Si on retourne dans le classe, classe. Classe. T'es où là? Vous voyez, ça se met à l'arrière. Ah ouais, peut-être. Ouais, possible. Et ça sera magnifique. Ça sera de toute beauté. Bon, on rend ça et on achète la pailleuse. Ce qui serait bien aussi, ça serait d'acheter. Alors peut-être que les œufs on va les vendre, parce qu'on a pas mal d'œufs. On va voir niveau prix comment on est. Et déjà on va mettre le point de vente pour commencer. Ce sera pas mal. Ce sera plutôt pas mal. Tac. Ah ouais, 69 000 quand même pour vendre. Ok. Là on est en avril, donc les œufs ça se vend en au meilleur prix en novembre. Ah, on est complètement à côté de la plaque. Ok. Donc on est à côté de la plaque. Animaux, peut-être pailleuse. Maintenant on aille pailler un peu les vaches. Ils n'ont plus de paille. Donc là, on va faire ça. En fait, on a tellement de choses à faire, c'est affreux. J'aimerais bien essayer d'en mettre 3 dedans. Et 3, ça coûte pas dans le. Moi je vais mettre vachement là, mais le problème c'est qu'il va falloir le placer.
ça qui va être un peu galère. Après, peut-être qu'en ouvrant la benne à l'arrière, il y a peut-être moyen. Oh non, ça n'est pas ouvert. Comment on fait pour l'ouvrir? Attendez. Voilà. Et si on pousse la botte assez loin? Ah ouais, mais une fois qu'elle est dedans, je peux pas la récupérer, je peux pas la reprendre. Ok. Alors peut-être en poussant, c'est peut-être possible. On va essayer. Mais je suis pas sûr de moi. En vérité. Je sais que sur le 19, vous pouvez pousser des bottes comme ça à l'intérieur. Mais sur celui-là, j'ai un petit doute. On verra que je suis prend comme un manche à balai. Je pensais prendre la botte droite, ça serait pas mal. Est-ce que ça a marché? Que ça a marché. Alors ça marche, c'est plutôt bon signe. Le seul problème, c'est que ça va pas entièrement fermé, mais bon, au moins on peut en mettre 4 quoi. Le 2 ça va vite hein. Ça va plutôt vite. Alors celui-là il coule presque. Ah oui, non. Ah voilà, on va peut-être pas trop. Non, ça a bugué sinon. Donc, on va rester comme ça. Les bottes qui bougent, alors je sais pas si c'est fait pour en mettre autant, mais il veut pas de ma paille. Sérieux? Oh. Ah non, alors pourquoi il veut pas de ma paille? Quelle question! Alors là il y a un problème, en fait j'aurais dû rester où j'étais. En fait il en veut pas. Alors, à moins que du coup j'ai peut-être bougé ça là. Ouais peut-être. Peut-être. Non mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est la mode de marcher très bien. Les farming ils en font un, c'est mort. Et c'est ouf hein. C'est ouf de tout le temps avoir des problèmes comme ça quoi. Sérieusement. À moins qu'il faut fermer entièrement la pailleuse, mais si je la ferme entièrement. Eh non, je peux pas, ça change rien. Ça change strictement rien du tout. Parce que le jeu c'est paillé mes vaches moi. Allez! Alors, est-ce que par là je pourrais pailler? Peut-être. Je ne sais pas, mais on peut essayer. Alors, non, alors ici on peut pas.
Ici, on ne peut pas. Mais toi, tu vas attendre. Hein. Si j'arrive à parier, je vais pas me déplacer. Hein. Je suis du daron. Là, c'est censé marcher. Je comprends pas. Censé marcher là, je suis censé mettre de la paille. Qu'est-ce qui va pas? Non, tout est bien mis, je piche pas. Toujours des bugs, encore et encore. C'est pas grave. Ça, on verra ça plus tard. Hein. Ça, là, on est bon. On va placer notre petit emplacement de vente, silo, production, point de vente. Tac. Alors lui, où est-ce qu'on va lui? Ah, on marque ici, il va pas gêner. Hein. On met ici notre point de vente. Ouais. Hop, on va le mettre là. Alors est-ce que ça fait une bosse? J'ai l'impression que oui. Tac, réussir. On va peut-être glisser un petit peu, voilà. Je sais pas si ça fait quelque chose en soi. Je ne sais pas. On va aller voir ça. Oh non, ça va en fait. Non, il n'y a pas trop de bots. Et du coup, sur les points de vente, est-ce que ça nous en rajoute un ou pas? Station de compte, hein, je pense que c'est ça. Ça doit s'appeler comme ça, non? Je suis où? Moi, je suis là. Ouais, station de compte, ok. Et niveau prix, on est comment? Niveau prix, station de vente, on est à 2700. Ah! On n'est pas le plus cher, mais bonne partie quand même. Une très bonne partie. Tête attaque, ça c'est fait. Que faire? Que faire puisque la machine pour faire l'usine. Là, ça ok, ça ok, ça ok, ok. Nous, c'est quoi qu'il nous faut là? Lui, il nous ferait ça. Ah ouais, vêtements du raisin. 80 000 euros quand même. Ah ouais, c'est pas donné quoi. Ouais, c'est vraiment pas donné. C'est une idée. Hein. On va attendre, puisque en fait, le problème, lui, c'est que on a full miel ici. Maïs, on a du maïs, hein, du coup, ouais, comme on a plus de cochon. On n'a pas. Sinon, on a beaucoup de maïs. On a beaucoup de maïs. Je peux voir l'ancien HV? Ah, zéro, c'est dommage. C'est dommage. Alors, je vais prendre l'autre tracteur, c'est mieux. Là. Ok. On va se planter les deux champs en herbe, là. Histoire d'être tranquille. Ça sera fait. Et ce prochain épisode, on pourra comme ça commencer à faucher. Toi, tu viens avec moi, pépère. Wow.
Là, remarque, on va peut-être mettre en mode. Ah, c'est quoi l'ultime qu'on a là-bas? Je ne sais pas. C'est juste un bâtiment comme ça. Non, ça c'est merdier. Hop, un ouvrier là-dessus. Un ouvrier là-dessus. Là, on est bon. L'huile d'olive. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas d'olive. Tournesol, on n'a pas de colza non plus. Il me semble, on n'a rien de tout ça, mais. Tournesol, non. Colza, zéro. Ok. Attendez, ce qui peut être intéressant par contre. J'ai la boulangerie? Non, j'ai pas la boulangerie. J'ai pas la boulangerie, mais on va acheter la boulangerie. Puisque pour les gâteaux. Ah oui, mais non, il faut de la farine aussi. Il faut de la farine. J'ai pas d'inafarine. C'est où? Il faut de la farine au moulin, je pense. Où est le petit moulin? Marché, broyeur. C'est quoi? Moulin à grains. Ça coûte combien le moulin? Ah oh, hey, quand même. Quand même, quand même. Bon, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un petit crédit pour ça. Et donc, c'est un crédit à 2 minutes. Allez, ouais, on arrête après. Alors, on va essayer d'arrêter. Tac. Alors. Maintenant, on a notre moulin qui est là. Ça fait tout type, ok. Alors, blé, hey, hein. On n'a pas de blé aussi. Orge, avoine ou sorgho. Ça, on n'en a pas. On a un peu d'orge. On a un peu de sorgho. Que faire? Que faire? C'est clair, il faudrait qu'on refasse un très très gros champ. Est-ce qu'on pourrait pas deux champs de blé comme ça on aura masse de bottes de paille. On aura du blé pour les poules et pour faire notre farine. Puisque là on pourrait faire ce champ-là en blé plus celui-là. Le reste on voit qu'est-ce qu'on fait. On peut faire du sorgho en plus pour la farine. Pas gênant, sachant que celui-là sera en herbe, donc il restera celui-là. Voilà, on fait blé, blé, blé. Ces trois-là en blé. Herbe, herbe. Sorgho, sorgho. Ça va être intéressant, mais il faudrait qu'on ajoute la boulangerie avant. On va aller à la boulangerie, on va acheter la boulangerie. Où est la ville? On va acheter la petite boulangerie. Voilà. On a la boulangerie, ok. Alors, le plus rentable, ça va être quoi? Pain ou gâteau? Du pain ou du gâteau? Le pain, on est à... Ah bah, gâteau est plus intéressant. Ok. Gâteau est plus intéressant. Ah bah, par contre, il faut qu'on garde notre production de fraises. Il faut continuer à faire des fraises. À la rigueur, c'est que les serres, c'est clair, on désactive. Tomate, sac. Là, pareil. Là, pareil. Du coup, on fait en... distribution. Pour les fraises, ok. Là, on fait distribution. Et là, on fait... distribution. Ok, donc là normalement on voit des fraises qui vont se mettre. Normalement, si on accélère un petit peu le temps, en mettant comme ça, à remarque que ce qu'on va faire c'est que il a fini ou pas l'ouvrier? On va aller se coucher. Non, il n'a pas fini encore.
Il n'a pas fini. Mais si, c'est bon, on a des fraises. Ok. Des œufs, c'est bon. Par contre, il nous faut du beurre. Donc le beurre, lui, on va le changer. On va mettre en distribution. Ok. Donc, il nous faut sucre. Du coup, on peut faire du sucre, mais on n'a pas de problème là-dessus. Ouais, donc on va faire du sucre. On va emmener le sucre là-bas. Ok. Je vais louer un petit camion pour du sucre. C'est pas trop fait pour, mais... Non, c'est dans le camion. C'est pas fait pour, mais bon, on met combien là-dedans? Une petite thune. Enfin, est-ce qu'on peut mettre du tout? Mettra, ouais. On va louer ça. Oh, on peut mettre une autre couleur quand même. Ouais, tiens, en gris par exemple. Ouais, j'ai mis en noir, mais... Voilà. En full gris, c'est propre. C'est propre. Loué. Ça peut être une bonne benne aussi hein, un camion comme ça au lieu d'avoir une grande benne comme là-bas qui peut être un peu galère parce que ça, un peu galère puisque ça nous prend des tracteurs que là au moins c'est un camion on est tranquille. Par contre c'est quoi moulin à canne à sucre moulin à canne à sucre il est où? Un grain, là on a quoi la fromagerie, ok. Ici c'est quoi usine de biogaz. Moulin, oh bah bon, d'accord, c'est juste à côté en plus. Impeccable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du sorgho aussi pour les farines. Comme ça, on peut lancer direct la production de gâteaux. Ça va être cool. On n'aura pas de problème avec ça. Là, on va là-bas. Hop là, demi-tour. On a loupé la route. On a eu de la chance de train arriver. Donc là, on est bien sur le... Ouais, sucre. Là, on décharge là, ok. Donc là, on est ok. Là, on a du sucre qui se fait, non, activer. Oh, hop. Distribution et ça va aller directement ici. Donc beurre, vous voyez, là c'est bon. Niveau beurre, c'est bon. Sucre, c'est bah du coup ça va être bon aussi. Après, c'est impeccable. Par contre, gâteau, là, il va falloir mettre en faut mettre en vente. Okay. Là après, niveau sucre, on est comment? Niveau sucre, peut-être. Ah oui, c'est tout? Bon, on peut en mettre un. On peut en mettre un du sucre. Alors, est-ce que j'ai fait le meilleur choix d'avoir fait un film comme ça? On va peut-être prendre une benne, ou une benne beaucoup, beaucoup plus grande. Lui, il est toujours là-dessus. Il a toujours pas fini son champ. Donc là, on est ok. Un petit coup de sorgho pour la farine. On a un peu de laine ici.
ce qui est bien, c'est que sur ces camions-là, c'est qu'ils freinent très très vite. On n'a pas grand sur go, hein. J'espère que l'usine, le moulin, il prend pas trop, quoi. Ah, et bon, ça va, 150, ouais, bon, ça va à peu près. Ça va à peu près. Le moulin, par contre, je crois qu'il est sur la droite, ça, je sais. Ça va pas falloir qu'on le loupe, quoi. Normalement, un moulin, ça va pas être compliqué à trouver. On va attendre de mettre le sorgho pour pouvoir accélérer le temps. C'est plus intelligent, forcément. Donc là à droite on a notre fromagerie. Donc le moulin c'est encore après. Ah, j'aurais peut-être dû tourner à gauche avant. Ça a peut-être été mieux. Ouais, là on a la fromagerie, ok. Et on a le moulin qui est au bout là-bas. Alors là je crois que au pied ben dans le moulin, ouais, c'est le dernier, il me semble. Celui-là c'est la pizzeria restaurant. Et je crois que le moulin il est ici. C'est ça ou pas? Ça ressemble à un moulin ou pas? La vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est le moulin. Si, c'est bon. Ok. Ok, on est bon là-dessus. Hop. Pop, pop, pop. Ça, faut mettre. Hop, distribution. Et il est déjà activé, donc impeccable. Alors, il nous manque quoi pour nos gâteaux? Réellement, les œufs. Une fois les œufs, on va les livrer les œufs. Une fois les œufs livrés, bah on a notre production de gâteau au final. Donc c'est plutôt intéressant. On aura directement notre production de gâteau qui va se faire direct. Là-dessus, on est ok. Ouais, bah vraiment, attends, je me fais chier là, mais hop. Ouais, je n'ai plus besoin. Hop, prendre. Ok. Nos deux, lui, il a fini aussi. Ah non, on va. Ah, y a pas beaucoup d'œufs, hein. Y a pas beaucoup d'œufs, malheureusement. Y en a pas beaucoup, mais bon, ça va suffire. Peut-être un petit peu merdé parce que j'ai laissé la vitesse. Alors attends, on va enlever la vitesse et galère sinon. Voilà, tac. On prend vraiment tous les deux, hein. On s'embête pas. On cherche pas à comprendre. Du coup les œufs, c'est où qu'on met ça? À la boulangerie. Ouais, c'est à la boulangerie. On va avoir nos premiers gâteaux. Donc ça nous fera gâteau. Tissu, vêtements, fromage, farine, sucre. Ouais, là on a quand même pas mal de. On va avoir pas mal d'usines quand même. Ah, ça pourrait être intéressant par contre, ce serait de. Ouais, ça pourrait être pas mal. Au lieu de mettre de replanter du sorgho, en remettre un en sorgho. Et en mettre un genre en soja, non, en colza, pour faire de l'huile. Apparemment j'ai un plateau qui est un petit peu rond. Bon, ça le fait. Non, ça le fait pas.
Ah, ça va passer là comme. Ah, bah ouais, par contre, le plateau, il est vraiment galère. Il est beaucoup, 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 beaucoup trop grand. Me dis pas que t'es plein en neuf. Oh, oh la misère. En fait, il faut rien en neuf, lui. Maintenant, on accélère le temps. Maintenant, on va vendre le reste d'œufs parce qu'on a des palettes à moitié trouées. C'est pas terrible tout ça. On va essayer notre nouveau point de vente. Là, on a tout pour faire les gâteaux, quoi. Ça, c'est top. 13 000 euros, revenu de propriété. Oui. Par contre, location véhicule, entretien, intérêt, une production, 439. Voilà, c'est correct. C'est très très correct, même. Ah, il est galère ce plateau en vrai. Hein. Il est tellement grand que. On prend dans tous les poteaux. Les poteaux et les murs, waouh! Une histoire sans fin. Vraiment une histoire sans fin. Alors combien que ça donne? Ah, ça rapporte pas mal. Oh oui. Oh oui, alors je sais pas combien il vaut plus des deux, mais on va l'arrêter lui. 70 000 euros d'œufs. Et sur un prix qui était à. Ah ouais, 3 000. On était bien en fait. Hein. On était vraiment bien niveau prix. Hein. Là, franchement, c'est cool. C'est cool, faut remettre de l'eau du coup à nos serres. On voit des fraises, forcément. Ça paraît logique. Niveau laine. Même si niveau laine, il va peut-être pas qu'on ait ramassé. Bon, avant, on va aller remettre un peu d'eau à nos. Et mais attendez, en vrai, j'ai plus besoin de. J'ai plus besoin de mon camion au final. De mon autre camion. Je peux le vendre? Non, on va le vendre. Je vais pas me faire chier à l'emmener, j'ai pas le courage. J'ai autre chose à faire. On va vendre notre camion comme j'ai racheté celui-là. En plus, il revient plus cher. Alors là, du coup, ça vaut peut-être plus le coup de le ramener. On va faire un petit. Oui, mon camion, hop là. Ouais, on le vendait combien là? Le camion? 84 000. Alors, j'espère faire un 100 000. Il a pas d'heure en plus. Hein. Ah, 93. Ah, niveau thune, j'ai envie de dire que ça va. Il n'est pas trop mal, on s'en sort bien. En plus, je crois que j'ai plus d'eau dans ma citerne. Il me semble que j'ai plus d'eau dans ma citerne. On va en mettre parce que je sais pas si je vais en avoir assez. Là, niveau argent, ouais, on est vraiment. Au top du top quoi.
Il doit manquer pas mal de potes, ouais. Vraiment, ça va. Une citerne, ça va suffire pour remplir toutes les serres. Ça, c'est nickel. Ah, j'ai pas regardé du coup si les coûts de production, pas les coûts de production, mais les revenus de production. On va regarder après là. On va regarder ça après. La citière, on peut la remettre là-bas, on n'a plus besoin. Là, on est bien. À 22 000, ouais, on baisse un petit peu, après ça dépend forcément des prix, hein. Normal. Ça, on va récupérer. Il en a oublié là-bas, lui. Ignace. Je vais pas rien faire, moi. Ah ouais, si j'ai oublié, il abuse. Hein. Voilà, on a déjà un champ de planté, on va aller planter l'autre. Hein? Je vais racheter un panneau. On va planter l'autre, comme ça, ça sera fait aussi. On va passer par là. Ça, il est de... Du coup, on fait le 35 en. On va faire le 35 en herbe. Aussi. Là, on aura vraiment un champ de chaque. Un pour faire du foin, un pour faire l'herbe. Pas tranquille là-dessus. On va même en profiter pour planter les autres champs. Donc ça se fera fait. Donc on en fait un en forgo. Je regarde de... Je
pense que du colza, je crois qu'on peut faire de l'huile avec du colza. On peut faire du colza. Ouais, pas mal aussi. Là, on va vraiment. Je cherche vraiment à faire vraiment de la production en usine. Ça, ça va nous rapporter pas mal d'argent. On sera pas trop mal. Et je vais essayer d'en faire un maximum parce que je pense que on changera bientôt de map. On a déjà 30 épisodes sur cette map là, mais j'attends qu'elle sorte. Ça sera la petite surprise, j'en dis pas plus. Mais dès qu'elle est sortie, pour l'instant il n'y a pas de date, on sait pas. Mais quand elle va sortir, et par contre, toi tu fais, qu'est-ce que tu fais là? Toi qui me fais des trous comme ça, ça va pas dans ta tête. Alors que je repasse une deuxième fois et ça abuse un peu, hein. Et ici j'ai pas de problème. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je vais avoir un gros trou dans mon champ d'herbe, ça va pas être beau. Eh mais là aussi, là je vais avoir une bosse par là, c'est pas possible. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? La masse, bah non, elle est pas défendue tout le temps. Bon, un petit bug, sans doute. C'est pas cool, hein. Je vais en profiter de par là pour remettre un coup ici. C'est quoi le problème? Je ne sais pas.
Là, on va vérifier. Alors, déjà, nos gâteaux, on est comment? On est bien. On a tout pour nos gâteaux. Donc, ça, c'est super. Là, niveau dessus, on a pas trop de stock. On n'a pas trop de stock. Qu'est-ce qu'on a de plein? Les fraises, ça va aussi. Ouais, on peut faire de l'huile avec du colza. Ok. Donc, on va faire de l'huile de colza. On est reparti. Bah, j'ai plus de batterie dans la manette. Là. J'espère que je vais avoir assez de semences. Je m'embêterai d'aller re-remplir mon semoir avant de le finir. Ce sera embêtant. Et ça, ce n'est pas gagné à moi. Ça va être chaud.
Ouais, c'est foutu. J'ai pas assez de semences dans mon semoir. Bon, c'est pas gênant, je vais aller. Je vais remplir vite fait. Alors, je sais plus lequel que c'est par contre. On va faire la bâche. Sais plus si c'est celui-là. Voilà, celui-là. Je crois que c'est de l'engrais, ça. Ouais, ça c'est de l'engrais. Ça c'est de l'engrais liquide là-bas. Donc c'est celui-là. Voilà. Et là on est bon. On referme ça. Et on est reparti. On va reprendre de là, hein. C'est pas grave. Bon, j'ai baissé le temps de semer. Donc là, ouais, comme ça on aura de l'huile. Là on va commencer à avoir pas mal de production. Parce qu'on a quand même le tissu, les vêtements, le fromage, la farine, le sucre, le pain, le beurre, les fraises, les gâteaux. Et on a 9 productions d'usines. Donc assez bien. Niveau argent, ça devrait bien rapporter, je pense. J'espère. J'espère. Donc lui, ça c'est quasiment fini. Il y a plus de la moitié de fait déjà. Il m'a plus pour longtemps. Oui, il a laissé un. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Arrête de faire ça. J'ai bien fait de vous mettre de... Et c'est mort quand je suis mort, parce que dans tous les cas, de toute façon, j'en ai pas assez. Et j'ai pris 25% de plus géant en plus. Et ça va très très vite quand même. Après, il n'y a que ça, parce que l'engrais en soi, ça descend pas tant que ça, quoi. Ça descend, mais pas aussi vite que les semences. Et ça, ça va. Hey, il a réussi une bombe. Je me suis ok bouché. Là en plus ça va commencer à bien rétrécir la longueur, c'est pas mal du tout.
Bon, je sais pas pourquoi mon tracteur il s'arrête. Il y en avait marre. Oh, j'en ai oublié. Oh. Il n'y a pas grand chose. Là. Une petite sauvegarde quand même. Je crois que c'est bon pour aujourd'hui. On aura fait déjà énormément de choses. Entre remplir les serres. On a replanté champ d'herbe. On s'est occupé de tout ce qui est usine. On a fait un champ de colza là, vite. On a charbonné, hein. On n'a pas fait semblant sur le travail aujourd'hui, ça c'est clair. Bon, en plus avoir un très bon revenu au final, ça c'est assez top, ça.